Voilà, c'est la table de marque. Oui, donc on vous disait que entre les ce matin, pas du tout ça. Il faut que je me reconcentre. Entre l'équipe des mercenaires des Italiens qui sont bien bardés, qui ont bon affaire à des professionnels, et contre l'équipe hollandaise qui elle joue jeu de transition rapide avec de la vivacité, etc. Ils ont deux grands, hein, moi qui m'ont bien impressionné ce matin, c'est Quillen et puis Toes. Vraiment, c'était un bon match. Hein. Bon, ils se sont inclinés, certes, mais alors toujours pareil. Qui ne s'incline pas devant Besiktas ? Ça, c'est la question que le son pose. Et puis de l'autre côté, bien ces Italiens. Jeu effectivement rapide et puis surtout avec ce pivot là qui fait 44 mètres de haut, c'est Lee Manning, donc lui il va falloir le stopper, il va falloir le pousser, oui. Et puis donc tout à l'heure nous aurons également l'interview de Jean-Louis, du coach de Toulouse. Bon, ça c'est pour tout à l'heure. Les arbitres. Alors les arbitres, il faut aussi qu'on vous en parle parce qu'ils sont importants. Je ne sais pas où sont mes documents, mais ils sont là. Donc théoriquement, les arbitres devraient être quelque part. Dites donc, il y aura un Max Winderwater et puis Carole Clara, pardon. Oh là là, c'est Clara Baquero et puis à la table de marque, je pense que ça doit être. Platonas Serras. Bon, il faut que je retrouve cette feuille. Je l'avais quelque part et elle s'est encore une fois volatilisée. Moi, tout se volatilise. Et c'est parti. Voilà. Jonathan Hall. Brown. Hall. Tanguy, allez, shoot. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? On l'a installé et c'est ça après qui fait la réussite. C'est les shoots. Il faut les marquer, hein, notre ami Quillen, il faut les marquer. Hein. Alors, ça donne quoi allez, on revient. Revenons à ce match. Bart Nulens. Alors, on va également vous afficher ceci. Oui, excusez-moi, j'étais en train de Robin pour Schalke. Schalke qui demande à Paul de monter. Voilà, il faut partir au 14. Voilà, faute de fauteuil. Il a empêché le camarade de prendre. Ouais,
Qui vient de shooter? C'est Quillen et il a raté Quillen. Alors. Hall. Manning. Oh ben alors, c'est quoi ce shoot? Récupération par Quillen pour Schalke. Schalke, toujours. Schalke. Hop. Balle au fond, s'il vous plaît. Vous avez vu en bruit de fond, ça castagne. Hein. Ah, il se lâche pas. La faute a été donnée, je n'ai pas vu, mais en tout cas, c'est Jonathan Hall qui va se coller au lancer franc. Alors, effectivement, maintenant, ben, les commentaires vont être un peu plus calmes. Je dois être neutre. Alors que tout à l'heure, eh bien, loin de moi cette neutralité. Mais bon. Robin, il y a quand même une presse hein, mise en place par les Italiens. Robin, pour Quillen. Quillen. Pour Paul, 3 secondes dans la raquette. Faute, ah non, une faute de Bart Lunens. Bon, j'espère que chez vous, tout se passe bien. Que, alors je ne sais pas quel temps fait-il à Paris, voilà. Voilà. Si vous pouviez m'envoyer, parce que nous ici, nous sommes enfermés depuis jeudi soir, donc on ne voit pas, et faute de Visser. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est entre l'approche philosophique de cette équipe italienne qui fait appel à des mercenaires, donc il n'y a que des étrangers dans cette équipe italienne, et de l'autre côté, eh bien, vous avez une équipe qui s'est tout simplement réalisée, peaufinée, avec un vrai travail d'équipe, avec des joueurs qui vivent, qui sont d'origine. Alors quand je dis ça, c'est pas une question que je pense à gauche, à droite, c'est pas ça. C'est que après il y a également les projets d'une équipe. Voilà, en Italie, on fait appel à des mercenaires, on les paye, ils viennent, ils apportent leur savoir, on remporte des titres, etc. C'est ce qui fait la force de l'équipe, je ne conteste pas. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais après, c'est l'aspect financier qui prime. Alors, est-ce qu'ils forment? Est-ce que les Italiens, par exemple, forment? Est-ce qu'ils forment des jeunes? Si on regarde, non, parce qu'il n'y a pas de jeunes. Voilà. Les Anglais, eux, oui, forment. La preuve, l'équipe que l'on a vue, elle est hyper jeune. Alors peut-être que dans les autres équipes, il y a des jeunes, je ne sais pas. Seul Mister Basket pourrait nous donner cette info, à savoir justement est-ce que dans les autres pays, il y a de la formation ou pas. Allez, Paul. Ah, ils sont bien poussés hein, pour le moment, les grands. Il faut shooter 4 secondes. Robin, trop loin. Et une faute de Mike Brown. Ligne de fond et on va remettre à 14 secondes, s'il vous plaît.
Et alors, c'est fou parce que ça parle italien. Les joueurs parlent italien. Enfin, en même temps, il faut s'adapter. Hein. Brown, chef d'orchestre. Et bah, regardez, voilà le trou, voilà. Hop, on ressort. Et voyez, regardez, Brown, vous avez vu ? Il rentre, il pénètre dans la raquette, il donne la balle et il ressort pour être en tête de raquette, c'est-à-dire pour justement, eh bien tout simplement couvrir le repli défensif. Voilà, mais ça ne l'a pas empêché de pénétrer, ça ne l'a pas empêché de donner la balle et puis ça ne l'empêche pas également de marquer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment, quand on leur demande de faire quelque chose dans une équipe, ah, ben, dis, oui, mais moi on me demande de faire ça, je ne l'ai jamais fait. Ben justement, si tu l'as jamais fait, ben un jour il faut commencer par le faire. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend que l'on sait. Et puis surtout le basket, à tout âge on apprend. Allez, temps mort. Allez,
Hey! 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 H
Alors on vous a un peu oublié, hein, on vous a abandonné pendant ce premier quart temps parce que nous avions un problème à régler. C'est important, c'était soit j'étais absent ou soit il n'y avait plus de flux. Voilà. Donc on a évité le pire. Merci. Voilà. Donc on revient. Et ça ne vous a pas empêché de suivre eh bien, ce match. On vous avait prévenu que ce match, eh bien, que les Hollandais de cette jeune équipe eh bien, sont bel et bien présents. Ils se bataillent et il n'est pas dit que les Italiens remportent cette deuxième place. Hein. Les Hollandais peuvent peut-être leur squeezer cette place. Hein. Robin. Vous voyez, ça rentre et puis ça ressort. Il y en a toujours un qui vient voilà, au repli défensif. Vous voyez, regardez le 12. Oh, Robin! Alors, là aussi, ils ont mis, Kim, ils ont mis Cimarelli, Hall, Brown et Tanguish. Oh, ça, c'est du lancer. Mike Brown. C'est Simon Brown pour Cimarelli. Après, il y a le concours de tatouage aussi hein, chez certains joueurs. C'est je me tatoue et deux points supplémentaires. Voilà. Il y a le culte hein, du tatouage chez certains et pas chez d'autres. Enfin bon, allez. Schalke, faute du numéro 13 de Kim. Schalke. Hop, Robin, 7 secondes, 7, 4, 3. Janaïs est la boutique créateur de Paris 11e, des vêtements, des bijoux, des sacs et accessoires réalisés par des créateurs français pour la plupart. Des modèles uniques et originaux à des tarifs complètement fous, uniquement chez Janaïs et nulle part ailleurs.
Janaïs, 81 rue de Montreuil, 11e, métro Nation, rue des Boulets ou Fédère de Chamigny. Téléphone 09 50 64 02 44. 09 50 64 02 44. Janaïs, la mode pour tous. Ah, et un lancer de briques. Voilà. Et oui, il n'est pas en position. Personne, tout le monde le regarde se débrouiller, se dépatouiller tout seul. Kim, là-bas, c'est Marilly qui fait un bloc qui empêche Quillen de revenir. Kim. Faute de Robin, qui n'en lâche rien. Ah, ils ont quand même des... Il y a un bruit parasite qui vient me... 3. 1, 2. Bon. Hop, 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 magnifique, vous avez vu un peu, je passe sous la raquette et puis un magnifique un bras roulé à l'envers. Jonathan Hall pour Tanguy. Occupation. On remet s'il vous plaît à 24. Robin. Et attention, passage en force. Alors, 18-17, il faudrait... pour l'instant, ils jouent bien aussi, hein, les Hollandais. Alors, effectivement, du côté italien, on n'a pas non plus sorti... on a sorti les géants verts italiens, Manning, puisqu'il est tranquillement en train de se préparer. Et puis, de toutes les façons, pour les Italiens, après il reste Toulouse. Et bon, Toulouse, ça va être compliqué, hein, parce qu'ils ont, Toulouse, les Toulousains ont gagné que de... Allez, de combien de points contre les... Ils ont gagné de 10 points contre les Anglais. Donc, et les Anglais ont perdu contre... Je cherche, hein. Ah oui, ils ont perdu de 28 points, je pense, contre les Italiens. Donc, les Toulousains devraient perdre de 15 points. Et il est sorti, il est rentré, Jonathan Hall. The next time, c'est technical foul. L'entrée de Mustapha Béjari. C'est bien parce que quand vous avez une personne qui a des compétences comme celle de Jean-Claude Boucher, qui vous dit que ce joueur a été meneur à Meaux, bah, vous comprenez sa place après. Bon, vous savez après la qualité et la valeur de ce joueur. Allez, Robin, regardez-moi ça, comment ligne de fond, tranquille, il n'a pas peur. Et Simon Brown, tout de suite pour Dimitri pour... Jonathan Hall, récupération par Paul Torres. Robin, il est vif, hein, ce joueur. Puis regardez, hop, mais faute de Simon Brown. Contact pour empêcher tout simplement de marquer ce panier. La table de marque, on vous en a parlé pour le match de... Oui, on l'a mentionné, hein. Il y a Kevin Martinez, il y a Martin Courcel, Guillaume Gavidia et Anne Lispi, et sous le contrôle de Serge Louvèche. Hop, trop décalé. Jonathan Hall. Oh,
Team. Récupération. Quillen. Allez, ça joue, hein, les Hollandais, ça joue. Robin. Et balle pour les Hollandais. Ça joue, hein. Ça joue. C'est un beau match, plaisant, belle affiche. Les Paul, on remet pour Robin. Robin qui vient. Vous avez vu le travail. Il redonne, il pénètre davantage pour emmener les deux défenseurs vers lui. Et ce qui fait, eh ben, il y a le champ libre de... Qu'est-ce que c'est que ça? Deux points. Vingt-deux-dix-neuf pour les Italiens, pour San Stefano. Anton. Voilà, vous avez vu, hein. Ils appellent le défenseur qui fait le rebond pour lui dire, c'est, je suis déjà parti en contre-attaque. Qu'est-ce qu'il y a? Temps mort. Eh bien écoutez, temps mort, nous on va en profiter. Allez, temps mort. Vidéo People spécialiste du home cinéma, vidéo projecteur, écran de haute qualité à des prix attractifs, distributeur de la marque Sreeline. Information 01 75 29 41 19 ou sur www.videopeople.fr. Quoi de neuf sous les tropiques? Eh bien, déjà trois matchs. Deux matchs ce matin se sont déroulés en direct de Toulouse avec cette rencontre de Verkerk. Donc l'équipe hollandaise qui joue actuellement, qui a perdu contre Besiktas. Mais il y a eu un beau match. Vraiment, c'était un beau match. Hein. J'étais agréablement surpris par cette équipe hollandaise. Puis après, ben, nous avons vu et nous avons vécu intensément. Et la victoire... obtenu dans la douleur, hein, et dans la bataille, presque dans les sanglots. La victoire de Toulouse 55 à 45 face aux jeunes Anglais qui... faut les mettre, Quillen, parce que ça va vous coûter cher à un moment donné. Ah voilà, ils l'ont remis la tour... dites-moi, si c'est pas du bourre-pif, ça. Je ne m'y connais pas. Hein. Allez. Mustapha. Voilà, tranquille. Et passage en force. Voilà, on fait sortir un peu pour reposer les bêtes. Bon, en tout cas, c'est un match plaisant. On va pas non plus s'enflammer parce qu'il reste encore le match de 18h qui sera en clôture. Puis après, il y aura la cérémonie avec toutes les médailles. Bon, on sait déjà, hein, numéro 1, ça va être Besiktas. Le 2, eh bien, écoutez, c'est en train de se jouer pour le moment. C'est en train de se jouer. Ils paraissent pas assez hollandais, mais ils sont grands quand même. Hein. Ils sont immenses. Voilà, j'ai bien fait de Quillen. Voilà, un beau bloc de Mustapha. Vous voyez, regardez, même les grands viennent faire des blocs. Vous voyez, ils remontent et après, regardez, ils travaillent. Anton est là. Anton, il n'est pas dans son élément, là. Il n'est pas dans son petit jardin.
March pour Manning. Et alors lui, eh bien Manning, il va faire quoi? Il est grand, c'est une tour et deux points. Voilà, en plus, il a pris, vous avez vu, en même temps qu'il a manipulé la balle, il a donné un léger coup pour se reculer, pour eh bien, s'éloigner de la main adverse. Et puis, eh bien, il a planté. Donc ça, ben, c'est des heures et des heures de shoot, et des heures et des heures de shoot, et des heures et des heures de shoot, voilà. C'est pas en faisant 20 shoots en une séance que ça va venir. Et les shoots, il n'y a pas de mystère. Si on veut marquer en match, il faut faire du shoot. Il faut faire 500 000 shoots chaque séance pour vraiment eh bien, sentir le geste, etc., etc. Donc, il y a toujours du travail à faire. Voilà. Allez, Schalke pour... Oh, pour Inge. Oh là là. Et anti-sportive. Ah non, mais ils sont anti-sportives de Inge. Voilà. Tout de suite, il met le haut là, hein, ce Max Kinderwater. Tout de suite, il calme les ardeurs des uns et des autres. Jean, hop. Et pendant ce temps-là, eh bien, les Italiens creusent tranquillement. Ils creusent. Simon Brown. Kyle March. Eh bien, regardez-moi ça, pas mal. Allez. Mustapha pour Hing. Allez, Inge. Aïe, dommage. Ça rentre plus du côté hollandais. Simon Brown. Passage en force de Cimarelli. Marqué Cotoué. Alors, on a reçu également tout à l'heure des messages, des compliments. Voilà. Il y a un Marcioni Guiseppe qui nous dit « Il commentatore è fantastico ». Merci. Voilà, ça, oui, ça flatte mon ego. Puis nous avons également Karimu qui nous dit « Bravo Richard pour ton match ». Ben, merci surtout à ceux qui étaient sur le parquet. Sleeves qui nous dit qu'est-ce qu'il nous dit? Super, excellent. Bah de rien, bravo. Et puis le dernier, bah oui, ça c'est les textos qu'on reçoit de Mister Basket qui nous dit, voilà, bah c'est, nous l'avons vu en fait, qu'ils étaient donc qualifiés. Voilà, donc à un moment donné dans la journée, bah, il y a aussi un peu de, on se calme, on peut pas non plus être tout le temps enflammé. Et puis après, ça serait, enfin, autant que je m'enflamme pour Toulouse, ça se comprend, mais j'ai aucune raison de m'enflammer ni pour les Hollandais ni pour les Italiens. Et encore une technique. Ah ben voilà, bah c'est la série des techniques. Une fois une technique hollandaise et maintenant une technique italienne. Comme ça, nous sommes à une parfaite égalité. Pardon, j'ai encore oublié. J'oublie toujours de vous mettre le score. Voilà. Schalke. Enfin, 7 points. 7 points. Alors, est-ce que les Italiens jouent à fond? Aïe. Allez, Anton. Ah, aïe, aïe, aïe. Il est déréglé, hein, Anton. Hein. On se souvient contre Toulouse. Hier, il nous en a mis 3 d'un côté, 3 de l'autre. Après, ce matin, il en a mis un peu moins. Et puis là, il est en train un peu de passer. Mustapha Bejare, balle récupérée par... Le géant transalpin, Manning. Schalke. Anton. Oh là là, patate chaude là, oh là là.
3, 2, 1. Eh bien, dommage, c'était bien joué. Brown. Brown pour Manning. Passage en force. Rien à dire. Il était beau celui-là. Il l'a même pas vu. Il regardait la balle et au moins il a reçu la balle. Mustapha Béjari. Tout à l'heure, nous essayons d'avoir également senti de Mélan. Et voilà, balle chippée par March, Simon Brown. Tanguy. Simon Brown. Voilà, on donne au géant vert. Et le géant vert, il fait quoi? Ben voilà, il marque, tranquille. Vous voyez, c'est ça. Et donc on travaille pour les pivots, mais il faut aussi les pivots. Quand on est dans la peinture, ben il faut avoir du 99% de réussite. Voilà, sinon ça sert à rien. Sinon ça fusille le mental. Voilà. Oh Inge, allez. Voilà, ça rentre plus hein, chez les Hollandais. Et ben, pendant ce temps-là, les Italiens prennent le large. Regardez-moi ça, cette grande basse. Et une faute. Une faute de Anton. Le prochain match, bah écoutez, ça va être le prochain match, c'est à 15h45. Ça va être assez violent puisque ça va être Beşiktaş Istanbul contre les jeunes Anglais. Alors les jeunes Anglais n'ont plus rien à perdre, donc ils vont se frotter aux Turcs. Mais en même temps, ils pourront ce soir ou demain, en rentrant chez eux, se dire oui, mais attendez, on a quand même joué contre Beşiktaş quand même, vice-championne. Alors ça c'est du bonheur de rentrer et de se dire bon, ok, je me suis pris une tollée, on a perdu nos matchs, soit, mais on a joué contre Beşiktaş, on a joué contre Toulouse, on a joué voilà contre les Hollandais. Sur la carte de visite, c'est toujours agréable et puis de toutes les façons, c'est comme ça que l'on apprend. Hein. C'est dans des grandes compétitions. Voilà, ils sont beau travail de sap, travail individuel. Vous avez vu cette défense, toujours les mains sur les roues. Il lève rarement. Voilà, contré par Manning. Et regardez tout de suite, regardez comment ça fuse. Regardez la balle. Vous voyez comme la balle, elle circule. Voilà, les meneurs ne montent pas avec la balle. Il donne la balle, il passe la balle. Parce que le but d'un meneur, c'est ça, c'est de faire jouer son équipe. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui te commande et qui va faire briller ses camarades. Et si vraiment ses camarades sont dans l'incapacité de briller, alors à ce moment-là, il doit lui apporter ce petit plus. C'est ça être meneur. Mais c'est pas bouffer la balle, hein. C'est pas ça meneur. Meneur, c'est avoir le moins souvent la balle. Quand je dis ça, c'est-à-dire avoir, on touche souvent la balle, mais quand on l'a dans les mains, on essaie de faire travailler nos camarades. Allez, on va vous... On se retrouve à peu près dans 15 minutes. Alors, troisième carton. Allez, on va vous changer. Non.
Voilà, les Italiens ont commencé par faire une défense en tasse. Pas les Italiens, les Hollandais. Qui est tombé? Ah bah c'est Bart. Bon bah petit à petit on arrive vers la fin. Encore deux matchs. Et puis ça sera terminé. Après ça sera rendez-vous peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas pour une finale. Faute sifflée contre le 5 Simon Brown. Alors là, j'avais intérêt à vous calmer les petits loups parce que Clara, elle va en Robin. Jonathan Hall. Dimitris. Dimitri. Jonathan Hall. Manning. Vous voyez les bras qu'il a celui-là. Vous voyez le geste pur. Je prends. Et vous voyez qu'il ne met pas 3h30. Hein. Il pompe pas, il prend la balle, il regarde et il déclenche son shoot. Voilà. Bon, c'est son shoot. Hein. Schalke. En tout cas, tout à l'heure, les Italiens ont muselé Quillen. Voilà. Il est. Voilà, il rentre. Voilà, et là. Magnifique. Il suffit que je dise ça pour qu'il rentre. Et qu'il fasse un magnifique panier. Jonathan Hall pour Bart Nulens. Ah tiens. Manning, regardez, vous voyez. Mais il pompe pas, hein. Il ne pompe pas ce garçon. Il a la balle, il a le bras tendu, il travaille, c'est tout avec la force du poignet et de l'avant-bras. Hein. C'est tout. Il pompe pas, il fait pas des... Voilà. Sobre. Voilà, c'était un missile RR. points quand même de... Ben c'est un peu la punition qu'ils infligent à tout le monde. Hein. Robin, faut shooter. Ben, regardez-moi ça. C'est bien ça avec la pression, etc. Il a réussi à le mettre. Simon, ça il roule hein, ce Simon. Et faute de Robin. De Robin, oui, ça roule, hein, c'est physique. Hein.
Alors voilà, effectivement, là, il y a une invitation. Voilà, donc on va même faire voilà, un gros plan. Bonjour, bonjour Paris. Voilà qui est fait. Bon, j'espère que vous avez encore plein de bonnes choses à nous raconter du côté des Parisiens. Dites-moi, ça se castagne, c'est chaud. Allez, Kim, on relance sur... Ben, il y a deux géants maintenant pour Manning. Et alors, vous avez vu également, avez-vous entendu qu'avant d'envoyer la balle, Manning a appelé Kim, c'est-à-dire qu'il l'a averti, il a envoyé la balle, ce qui fait qu'il va marcher. Alors, il faudra peut-être faire du tricot, mon ami Kim. Le tricot, ce n'est pas recommandé. Voilà, il faut le tricot, c'est une spécialité de certains pays, comme le crochet. Oh, la belle banane, il a été bâché, Schalke. Allez, ligne de fond, on pénètre pour Robin. Abou Konaté, shoot, oh, récupération, Kim pour Hall. Hall, toujours. Hall pour Manning, regardez sous le panneau, regardez. Et il va récupérer, non, Simon Brown. Tricotage et bourre-fauteuil sous la raquette. C'est des choses qui arrivent, hein. Longue balle, Robin, on ressort pour Abou, quel plus 4, oh là, ça c'est du lancer de briques ça, hein. c'est pas un beau shoot ça, c'est presque un shoot de désespoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi? Parce que les Italiens ont mis en place une bonne défense, qui gêne considérablement les Hollandais, et les Hollandais ne pourront pas faire rentrer leur pivot à l'intérieur de la raquette. Il leur reste qu'une chance, c'est le shoot à mi-distance. Mais avec ce shoot à mi-distance, comme personne n'est réellement placé pour recevoir la balle dans de bonnes conditions et shooter, eh bien, c'est un shoot catastrophe. Donc, c'est un shoot Haribo. Voilà, un shoot Haribo. Eh bien, c'est des shoots qui arrivent comme ça, qui partent souvent dans les astres. On vous rappelle que Toulouse s'est qualifié dans la douleur tout à l'heure face au RGK Rhinos des Anglais, cette jeune équipe anglaise très prometteuse. Vous allez voir que d'ici 3 ans, on va les regarder avec un œil complètement différent, surtout si l'équipe reste
comme elle est constituée aujourd'hui, qu'elle continue à travailler ensemble, elle va être redoutable et elle va en faire souffrir plus d'une. Hein, parce que quand on est jeune, on a la vivacité, on a l'énergie, on récupère beaucoup plus vite. Et en Coupe d'Europe, ben c'est vrai qu'on y laisse beaucoup, beaucoup de plumes. Alors déjà, pour tout à l'heure, Toulouse, si le règlement est juste, comme notre ami Manu a eu deux techniques, théoriquement, il ne doit pas jouer tout à l'heure. Donc ça va être compliqué pour Toulouse, qui va affronter ben justement ces Italiens qui sont là. Ça va être compliqué. Heureusement qu'ils ont gagné leur match contre les Anglais. Maintenant. Vidéo People spécialiste du home cinéma, vidéo projecteur, écran de haute qualité à des prix attractifs, distributeur de la marque Sreeline. Information 01 75 29 41 19 ou sur www.videopeople.fr. Vivre FM, 93.9, c'est tous les jours de 5h à 17h et sur www.vivrefm.com. Musique, chronique, émissions thématiques, tout sur le handicap. Il faudrait que les Anglais, que cette jeune équipe anglaise gagne l'équipe de Beşiktaş. Alors là, bon, à moins d'avoir une baguette magique ou même plusieurs baguettes magiques dans leur escarcelle, eh bien, je pense qu'ils vont, passer à la trappe. Mais elle a beaucoup de panache, cette jeune équipe anglaise. Elle a du panache, elle a de l'envie, elle a du plaisir, elle a du désir à jouer. Kim à l'inter-raquette et 2 points supplémentaires. Nous en sommes au 3e quart-temps hein, et les Italiens défilent tranquillement leur basket. Donc ils vont arriver 2e. On ne se fait plus d'idées, plus d'illusions. Les Hollandais ont bien tenu hein, les 2 premiers quart-temps. Et puis toujours pareil, 3e quart-temps, ils se sont pris un coup de massue. Voilà, parce que les shoots ne rentrent pas. Derrière, il y a du rebond concernant les Italiens. Il y a du rebond et puis après, ça part, c'est rapide. Et puis, non seulement c'est rapide, mais en plus, c'est adroit. Donc quand vous avez toutes ces qualités, eh bien, l'équipe d'en face a de quoi souffrir. Ah, des fois, c'est bon de souffrir, mais bon. Souffrir pour apprendre, est-ce que c'est c'est un bon moyen? Bonne question. Oula, c'est quoi ce shoot, Monsieur Brown? Vous nous avez habitués à mieux. Allez, un moment d'égarement certainement. Alors, il y a Jonathan Hall, il s'est marqué la date de naissance sur son bras, de peur peut-être qu'un jour avec Alzheimer, qu'il ne se rappelle plus de sa date de naissance. Allez, et ça fuse, regardez, et le jeu envers Manning, regardez, tranquille, main gauche, c'est un gaucher, donc c'est terrible hein, pour les défenses main gauche. Il y a un temps mort, un time out demandé par nos amis. Take me to your place,
Alors, il y a une question posée par Karimou à Mister Basket. Donc, JC, j'espère que tu es là. Il demande, est-ce que les équipes françaises, et notamment Villefranche, est-ce que cette équipe joue au complet ou pas? Voilà, c'est sa question. Alors, on vous rappelle que pour les Coupes d'Europe, c'est comme pour les équipes nationales, les 5 points n'ont pas le droit de jouer. Hein. C'est strictement défendu, it's forbidden. Voilà. Donc c'est une demande, est-ce que les équipes françaises sont au complet, notamment Villefranche? Voilà, donc est-ce que tu peux répondre à cette question, Jean-Claude, s'il te plaît? Question posée par Karimou de Gennevilliers. C'est bien, ça fait presque, ça fait un peu radio. Genre, je pose une question et puis je verrai la réponse dans les secondes qui suivent ou dans les minutes qui suivent. Robin, regardez-moi, magnifique bras roulé. Il est passé Jonathan Hall. Vous avez vu, voilà, c'est pas grand chose, hein, mais le travail qu'a fait Kim, regardez le travail qu'a fait Manning. Et voilà, et après, et bien malheureusement, ça n'a pas abouti, hein, ce travail. Jonathan, on remet pour la tour, le géant, regardez. Robin. Ah oui, pardon, j'oubliais. Anton, pour Abou, passe dans le dos, mal, allez, Robin, récupéré par Manning. Pour Bart, récupéré ici par Kim. Kim, on fait un gris-gris, on sort pour Kalmarch. Récupération, Paul. Oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Le Manning, oh, il s'est fait quoi? Ouh là, c'est le doigt, il s'est fait mal au doigt. Robin, et passage en force de Mr. Jonathan Hall. Alors, nous sommes dans le deuxième ou le troisième ou... Kim, tranquille, vous voyez, il est déjà... Il faut le mettre ça, Coco. Oh, bah alors... Qui récupère marche, et eh ben il va remettre ça. Non, 3 secondes dans la raquette. Ben oui, t'as la balle. Il faut shooter, mon ami. Il faut pas faire une passe. C'est trop. It's too hazy. Voilà, il lève la main en disant I'm sorry, it's my fault. J'espère bien, mon ami. 28 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Et puis, il nous restera 10 minutes. Et puis après, nous allons attaquer eh bien le match vraiment. Alors, ça va être très enrichissant pour les Anglais, puisqu'ils vont être confrontés au Maus costaud de Beşiktaş Istanbul. Et les Anglais, eh bien, cette jeunesse va essayer de ne pas se prendre un carton contre cette équipe turque, parce qu'en même temps, il y a des géants. Ils jouent avec Yilmaz, Sem, quand même 2m10 debout, hein, donc c'est immense. Assis, il fait 1m99. Il y a également après attaque, il y a l'autre fou furieux, le meneur Khan, lui qui est redoutable. Et puis il y en a un autre chez eux qui est aussi fou furieux, il y en a aussi un point Ali Alu. Voilà, il y a un changement. Voilà. Maintenant on fait rentrer un peu on fait sortir les gros, les monstres, pour laisser jouer un peu le banc, parce qu'il faut bien que tout ce petit monde se repose. Parce que tout à l'heure, ça sera contre Toulouse, mais on sait déjà que pour Toulouse, ça va être compliqué. Ils se sont qualifiés, en sachant plus que Manu ne va pas pouvoir jouer, donc ça va être compliqué. C'est David qui va reprendre, qui va prendre sa place. Voilà, donc ça va être assez compliqué. Mais bon, ils se sont qualifiés. Au buzzer, magnifique, c'est bien ça, Paul. Buzzer, allez, on se retrouve dans 2 minutes. Vidéo
People spécialiste du home cinéma, vidéoprojecteur, écran de haute qualité à des prix attractifs, distributeur de la marque Sreeline. Information 01 75 29 41 19 ou sur www.videopole.fr. Nous voilà repartis, merci d'avoir stoppé la musique. Allez, 3 points, 3 points, récupérés par Paul. Allez, Schalke. Schalke toujours, on remonte en tête de raquette. Vous voyez, il y a beaucoup de travail. Hein. On travaille beaucoup, en faute de Kyle March. On travaille beaucoup sans le ballon. Et ça aussi c'est important, cette notion de travail dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le ballon ou le côté du ballon, il y a aussi à l'opposé du ballon et tout le travail que l'on va apporter dans l'ombre pour justement, eh bien, voilà, à un moment donné, ça c'est première intention, récupération, marche pour Simon Brown. Kim, regardez, une main, vous avez vu, pas assez poussé, pas assez, mais voilà, c'est ça, travailler une main. J'ai toujours pas la réponse, hein. Peut-être que Jean-Claude Boucher est en train de se renseigner. Enfin, on espère te donner ta réponse, Karimou. Robin. Pour Schalke. Paul. Ligne de fond. Wow, dommage. Et récupération Kim, on ressort. Vous voyez, cette sortie de balle, c'est propre, c'est efficace. Dimitri. Bien, bien intercepté par Abou. Kim. March. Oh, magnifique. Vous avez vu cette récupération bicyclette. Ça joue. Quillen. Oh, magnifique ce Quillen et faute de Dimitri. Faute de Dimitri. Paul, on ressort pour Robin. Robin, voilà, tranquille, ben voilà. Puisqu'il a l'espace, il a le trou, ils ont joué à deux. Mais en même temps, quand on fait ça, c'est vrai qu'il faut être bon hein, pour en finition. Simon Brown, regardez comment ça joue. Hop, regardez. Hop, il passe dans le vent. D'ailleurs, c'est simple. Hein. Alors, je vais vous faire également un constat. Les coachs sont tranquillou. Ils sont assis. Bon, à peu près. Enfin, ils ont de quoi aussi être complètement détendus, puisqu'ils savent que de toutes les façons, les Italiens vont être deuxièmes. Les Hollandais, troisième. Les Toulousains, quatrième. Et eh bien, la route européenne va s'arrêter tout à l'heure pour les Anglais lorsqu'ils vont être confrontés aux monstres de cette coupe de ce tour avec Beşiktaş. Regardez-moi la fluidité. La balle, elle circule, on essaie de trouver. Allez, Anton, on ressort pour Robin. Robin. Ouais, ça fuse. Hein. Voilà, on essaie de faire du 1 contre 1 et une faute de
Gianluca Stella. Time out. Alors, on vous met quoi? On va vous mettre, allez, un peu pour le concert de mardi et de mercredi prochain. Allez. Voilà, je pense que pour beaucoup d'équipes déjà, c'est ce que nous disait JC, il y a déjà trois équipes françaises éliminées pour la suite. Capsa, Bordeaux et puis la troisième, tiens, je vais aller voir en attendant l'antenne, je vais faire ça. Et puis en attendant, je vais réactualiser le tout pour avoir les résultats. Alors, ça c'est fait. Donc ça c'est pile poil, c'est notre poule. Donc ça, c'est bon. Dans l'Euroleague 3, les matchs qui se sont joués, donc Antwerp Players s'est incliné face à Sana Sanski Most 55-73. London Titans, ben ils ont carrément pulvérisé le SK Hobbit 87-26. Puis après, Beth Haloshem Jérusalem a gagné contre Kotoys WBC 57-40. Baski s'est imposé face à Saint-Jean Knesseler 49-38. Dans l'autre poule, Danube contre Villefranche-Mézieux. Villefranche-Mézieux a gagné. Kaiserslautern a perdu contre Sarajevo. Voilà, déjà au moins on sait un peu ce qui se passe. On va maintenant prendre l'Euroleague 2. Voilà, c'est bien. Donc tout ça, c'est, vous pouvez le voir sur l'IWBF Europe. Alors, nous avons donc Capsa qui a perdu contre UBB Glenskik, c'est-à-dire Izmir, 53-74. Gant a perdu face à Retafe 54-92. L'autre poule, Haïfa a gagné contre les Léopards de Guyenne. Et puis, alors là, Lotz, ils se sont pris une ratatouille. Ils se sont fait démonter 29-80 par Pilatus Dragon. Donc, cette équipe de Lotz, peut-être qu'elle débute, je ne sais pas, mais c'est assez faible. Hein. Puis, le Canet s'est imposé face à Sheffield. Ben là aussi, le score, c'est surréaliste. Hein. 67 d'un côté, 33 de l'autre. Bon, peut-être que les Cantons ont divinement bien joué. Puis, le KTC Cell a perdu contre Oettinger, 33-83. Voyons, c'est des scores presque de NBA. Troisième poule, Oldhams, a gagné contre Lannion, 85-50. Et puis Nevsky Alliance a perdu contre Mélan Grenoble 40-54. Donc théoriquement Mélan est encore en piste. Voilà, c'était le tour des matchs qui se sont déroulés jusqu'à maintenant, puisqu'il nous reste deux matchs. Alors effectivement, les deux derniers matchs, beaucoup moins intéressants, puisqu'on sait qu'on connaît d'ores et déjà les classifiés. On connaît déjà pratiquement, on connaît les équipes, où elles vont, dans quelle poule elles vont jouer, etc. Donc il y a effectivement la tension est tombée depuis en fin de compte, 12h40, disons 13h, quand Toulouse est qualifié à l'arrache, hein, vraiment dans la douleur, contre les Anglais 55-45. Maintenant, on joue les matchs
pour jouer les matchs, parce qu'on doit les jouer, il n'y a plus d'intérêt. Voilà. C'est terminé, tout le monde voilà, sur le banc italien on rigole, et tout à l'heure ben, ils pourront même continuer à rigoler puisque ça va être contre les Toulousains. Et la problématique du Toulousain, c'est que Manu n'est pas là. Voilà, le shooter fou n'est pas là. Donc ça va être là aussi, ça va être les deux derniers matchs, ça va être assez violent. Ça va être violent de chez violent. What's happening? Sur le côté, le 12, on pousse sur le fond. Alors, les arbitres, c'est Mass Kinderwater et Clara Baquero. Et à la table, Platonas Serras. Regardez-moi cette balle. Pour Kim, on ressort pour Simon Brown, très mobile. On attend, voyons, on sort pour March, on ressort. Et encore un choc. Ah, ils aiment bien mordre la poussière, les gredins. Ils aiment bien. Sur ligne de fond. Voilà, et demain, et ben, enfin, ce soir, ça sera terminé. Tout le monde aura passé un bon marathon de basket. Après, c'est à réitérer, hein, bien sûr. Il faudrait qu'il y ait davantage de Coupe d'Europe. Une finale, on veut une finale. On veut une finale. Robin. Quillen. Simon Brown, on ressort pour Kim. Alors aussi autre chose, hein, vous voyez, voilà, bien joué. Il est bien, hein, en plus il joue avec, il a des mains atrophiées, ce Cal March. Oh, pop, il a failli lui faire une spéciale roulade. Oui, donc aussi, vous avez constaté de par vous-même que quand il y a des temps morts, c'est le coach qui parle. Il n'y a aucun joueur qui ramène ses idées, etc. Non, le coach parle et personne d'autre n'ouvre sa bouche. C'est ça aussi. Voilà. Si tout le monde commence à arriver en disant « Oui, il faut faire de la mayonnaise » et puis « Ah non, non, il faut rajouter de la moutarde, du sel, du poivre », ça devient un vrai bazar. Le coach est là pour ça, c'est à lui de prendre ses décisions. Après, bah, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, après c'est lui que ça regarde. Voilà, quand on est joueur, on met son talent au service du coach. Voilà, donc le basket c'est ça. C'est exactement comme si vous étiez peintre. Je reviens toujours à ma peinture parce que j'aime bien cet art. C'est exactement comme si vous étiez des couleurs et que le peintre va utiliser vos couleurs. Le 9. Donc il faut le sport, c'est aussi cette approche. C'est pas dire ah ouais on aurait dû faire ça, non, c'est on vous a demandé de faire quelque chose, il faut le faire, il faut le mettre en place, et si vous n'en êtes pas capable, eh bien il faut retravailler pour la place. Voilà. Puis après, bah, vous savez, il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs, comme il y a des bons joueurs, et puis il y a des mauvais joueurs. Hein. Mais voilà, les joueurs doivent se mettre au service du coach, et c'est après le coach qui c'est à lui après de mettre en valeur tous les éléments qu'il a en sa possession. Et c'est vrai que souvent quand on n'a pas un bon effectif, et ben on peut pas non plus être un bon coach. Puis des fois même si on a un mauvais coach, si on a un effectif qui est très bon, ben on ne saura jamais que vous êtes un mauvais coach. Dommage. Gamel récupéré par Quillen, c'est bien ça, c'est la fatigue, je pense qu'il y a aussi, ils arrivent au bout. Pour eux, c'est leur dernier match. Donc voilà, ils arrivent au bout. Le corps a été
a été très sollicité. Ouais, on joue et pick and roll. Et voilà, tranquille, on joue, on crée l'espace. Je te pique, je te roll, je te donne la balle. Ouais, il faut jouer généreux. Il faut jouer généreux. Une équipe, c'est 10 joueurs, hein. C'est pas un joueur. Si vous voulez être un joueur, faites du tennis, faites du ping-pong, du judo, de l'escrime, voilà. Ça, vous pouvez vous en prendre à vous-même. Et encore, et même dans les, sports individuels, on crée à un moment donné le jeu par équipe. Équipe de France de tennis, ils sont 4-5 et ils jouent en double, etc., en doublette, quoi. Voilà, donc 33 secondes et nous connaissons déjà plus ou moins le classement final. Un Beşiktaş, deux les Italiens de San Stefano, en 3 les Hollandais de Verkerk, et puis en 4 nos amis Toulousains, et en 5 eh bien RGK Rhino. Voilà donc les dires de notre ami Mister Basket étaient justes et avérés, donc encore une bonne analyse de Jean-Claude Boucher. Alors vous pouvez retrouver tous ces articles sur leur site sport-et-handicap.com, et puis n'oubliez pas également de participer au bulletin que propose David Schoenacker. C'est très simple, et bien vous allez sur le site de la fédération, vous connaissez, et donc là c'est 46-64. Voilà, prochain match, Beşiktaş d'Istanbul contre les petits jeunes anglais. Là aussi, ça va être. On va profiter de ce match pour faire un tour. On va téléphoner à Santi, on va certainement avoir une interview d'Abou Konaté. On va faire plein de choses. Donc, c'est bien. Ça va nous permettre. Parce que de toute façon, les deux derniers matchs qui restent ne sont plus passionnants, sauf pour la beauté. Des matchs, mais il n'y a plus d'intérêt. Voilà, tout le monde a gagné sa place, tout le monde sait exactement où, dans quelle direction il doit aller acheter ses billets d'avion pour partir faire après les finales. Voilà, les Italiens sont tous réunis et passent certainement là tous les coachs. Voilà, en tout cas pour nous. Voilà le score. Prochain match donc à 15h45, ça veut dire c'est dans 45 minutes.